Précédemment dans The ABC Murders. Le 18 juin 1835, Poirot reçoit d'un certain ABC une lettre le mettant en quelque sorte au défi en lui annonçant un événement le 21 du même mois à Andover. Le 21 au soir, la buraliste d'Andover, Alice Asher, est retrouvée morte. Jusque-là, aucun indice ne permet de mettre en évidence l'identité de l'assassin. Un mois plus tard, une nouvelle lettre arrive et c'est à Bexhill-sur-Mer que l'assassin met en évidence. Poirot déduit également que le meurtrier semble suivre l'alphabet pour choisir les lieux et les sujets de ses victimes. Mais malgré tout, la jeune et frivole Betty Barnard est retrouvée étranglée sur la plage de la station balnéaire. Son petit ami Donald Fraser aurait un mobile, mais uniquement pour ce cas. Il n'y avait donc aucun lien avec Alice Asher. Le temps s'écoule et le 30 août, une nouvelle lettre arrive pour annoncer le prochain méfait qui aura lieu à Churston le 30 août. Poirot constate qu'ABC s'est trompé dans l'adresse, ce qui explique le retard de celle-ci. Celui-ci profite à ABC puisqu'il peut frapper sans problème et assassiner Sir Carmichael Clarke, un pneumologue réputé à la retraite. A nouveau, la lettre annonçant le meurtre permet de conclure que ni son frère, Frank Laclark, ni sa secrétaire, Thora Gray, n'est ABC. Afin de dresser le profil psychologique du tueur, Poirot réunit toutes les personnes concernées par cette affaire. Ils réussissent ensemble à trouver que le meurtrier serait donc calculateur, sûr de lui, séducteur, intelligent, possédant beaucoup de sang-froid et qu'il aimerait les trains. Un point commun entre les victimes est également trouvé. Toutes ont eu affaire à des maladies des voies respiratoires et toutes ont également acheté des bas juste avant leur meurtre. Une visite à Churston permettra de confirmer que les dossiers des patients A à D du Dr Clarke ont été consultés récemment. On découvre également durant cette même visite des papiers que l'on a tenté de faire brûler. Une fois révélés, on découvre qu'il s'agit de dossiers des malades Alice Asher et Betty Barnard. Deux autres personnes font également partie du lot. Alexandre Bonaparte Cust, un ancien soldat qui a souffert pendant la guerre 14-18, et un gérant d'hôtel à Doncaster, Dick Dudley Dombard. Au même moment, Poirot reçoit une nouvelle lettre annonçant un nouveau crime à Doncaster. Il fait immédiatement le lien et prévient l'inspecteur Japp qu'ABC se nommerait Alexandre Bonaparte Cust et se trouverait au Signe Noir à Doncaster et que sa prochaine victime serait ce monsieur Dombard. Heureusement, pas de quatrième meurtre puisque la police arrive et arrête Cust avant de l'envoyer à Londres par le premier train. Une fouille de la chambre de Cust permet de mettre en évidence bon nombre d'indices, dont toute une collection d'ABC, mais également la machine qui a servi à écrire toutes les lettres. L'inspecteur Japp est sûr de lui, Cust est le meurtrier. Mesdames, messieurs, chers amis de cette série de l'été, bonjour et bienvenue à ce 7e et dernier épisode de The ABC Murders. Nous allons donc enfin pouvoir interroger ce monsieur Cust. Je pense même on va déjà commencer par l'observer un peu, savoir qui cet homme n'est pas en forme. Tant de peine. Ah, effectivement, geste nerveux. Et les yeux baissés. Il est inquiet et très fatigué. La police d'Andover ne l'a pas ménagé. Doncaster, mon cher, Doncaster. Ok, bah dérangeons-le. Qu'est-ce que vous me voulez ? Alors, bah, on te veut. Normalement, tu devrais savoir qui on est, hein. Demander qui il est, se présenter, demander s'il sait à qui on parle. Ouais, on va demander ça. Bonjour, ABC. Savez-vous qui je suis ? Quelqu'un qui me veut du mal, certainement. Mm-hmm. Je suis Hercule Poirot, et je ne veux rien d'autre que la vérité. Ah, vous êtes le détective. Je suis le détective. On va lui parler des lettres ou la raison. Ouais, la pourquoi raison. Pourquoi m'avez-vous envoyé une lettre avant chaque crime ? Pourquoi toutes ces questions ? Quand arrêterez-vous de me persécuter ? Ouais. On se souvient qu'il était patient du docteur Clarke, hein, donc et qu'il a pas mal souffert. Hein. Heureusement qu'on prenez a pris ceci. Son médicament cela chez lui. Bien. Donc on va pouvoir le lui donner.
Merci. Allez, prends-le. Voilà. Oh mon Dieu, j'ai encore trempé ma chemise de sang. Ah, c'est pas très joli ça. Bon, je vois bien à présent d'où viennent les taches de sang observées par Madame Marbury. Effectivement. Êtes-vous en état de parler? Oui, ça va mieux. Parfait alors. Du coup, je pense que je vais changer ma question. On va plutôt parler des LED, je pense. Ouais, parce que le... Oui, je suis l'homme à qui vous avez envoyé les lettres. Bon, quoi que... Je n'ai pas écrit ces lettres. Je l'ai déjà dit et répété. Admettre son innocence, lui faire admettre qu'il a oublié. On va peut-être admettre qu'il est innocent. D'accord. Vous n'avez pas écrit ces lettres. Reste à savoir qui l'a fait. Sûrement un de mes ennemis. J'en ai beaucoup. Intéressant. Demander s'il peut tuer, l'accuser d'être un tueur, avouer ne pas le croire être un meurtrier. Ouais. Je ne vous crois pas capable de tuer, Kust. J'espère que non. Il n'est pas sûr. Insister sur le fait qu'il a apprécié la guerre, lui parler de l'armée. Ouais. Vous avez souffert à la guerre? C'est vrai, j'ai été blessé. J'ai souffert. Pourtant, l'armée est le seul endroit où je ne me sentais pas inférieur. Pas de question, des ordres à suivre. Oh, ouais. Mais depuis votre blessure, vous avez des absences, des périodes d'amnésie. Et des migraines. Oh. Le professeur Clark vous a soigné. Oui, il y a quelques années, il s'est bien occupé de ma gorge brûlée. L'accusé du meurtre du docteur Clark, l'accusé des trois meurtres, lui faire croire qu'il est innocent. Ouais, on va garder la ligne innocent. Bien sûr, il ne vous est pas venu à l'esprit de tuer un médecin qui vous a si bien soigné. Non. Non, jamais. Il a l'air assez sérieux. Lui demander s'il admet être allé dans les trois villes, dire que des témoins l'ont vu dans les trois villes. Niez-vous être allé sur les lieux des meurtres? Et alors, ce n'était pas mal d'aller là-bas. C'est seulement pour mon travail. On vous a vu sur tous les lieux des crimes. Eh bien oui, j'ai fait ces voyages pas pour m'amuser. Je suis toujours malade en train. Mais je devais tenir mes engagements. Mon employeur me donnait des consignes écrites très précises sur les villes où je devais aller. Encore ? Voyons. La compagnie pour laquelle vous affirmez travailler, Silky Legs, n'a jamais entendu parler de vous. Tiens. Quant à ces lettres qu'elle vous aurait envoyées, elles ont été écrites sur votre propre machine. Cette machine m'a été expédiée par la société quand j'ai commencé à travailler pour elle. Okay. Oui, mais les lettres ont été reçues après. Il semble donc que vous les ayez tapées et vous les envoyez à vous-même. Cela prouve que vous êtes l'auteur. Ouais, allez. Il semble donc que vous les ayez tapées avant de vous les envoyer à vous-même. Je ne me souviens pas. Mon Dieu. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai trop mal à la tête. Galère. Ouais, je pense qu'on va lui passer les sédatifs. Prenez ceci, cela vous fera du bien. Voilà, ça va mieux. Ah, je crois que ça va aller mieux. C'est presque pitié, je sais pas. Voyons, Kust, regardez-moi bien. Vous savez pertinemment que vous avez commis ces meurtres. Oui, je le sais. Mais je ne me trompe pas en disant que vous ne savez pas pourquoi vous les avez commis. Effectivement. Non, je n'en sais rien. D'accord. Je pense qu'on en a fini avec lui. On doit aller parler à Jap. Voyons voir ça. Alors, qu'en avez-vous tiré? Beaucoup de choses. Peut-être cela nous aidera-t-il à préciser notre jugement sur lui.
tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors, on va y aller déjà sur la question que sait-on de la santé de Cust. Alors, on a vu que ce pauvre monsieur, ben, il a des absences, il a des problèmes au poumon, il crache du sang donc, hein, puisqu'il souffre d'hémoptysie. Ouais. Donc Cust est faible mentalement et physiquement, pas vrai. C'est vrai que c'est pas vraiment le profil qu'on imagine du tueur. Hein. Donc du coup, en enchaînant, est-ce qu'il y a des indices qui ne collent pas avec la culpabilité de Cust dans le meurtre de Charleston? Eh ben, Madame Barbary a vu la chemise tachée à la boutonnière. Sir Carmichael a été attaqué par devant, donc par derrière, puis le sang a jailli en direction de la mer. Donc, on s'attend plutôt que la chemise du meurtrier soit tachée au manche et pas à la boutonnière. Or, c'est le contraire qu'on observe, c'est attaché à la boutonnière et rien au manche. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des indices qui ne collent pas avec la culpabilité de Cust? Il n'y avait pas l'air de reconnaître Poirot. On s'attend à ce qu'un meurtrier garde les articles. Or, il ne l'a pas fait tout de suite. Il l'a fait qu'à partir de Charleston. Donc, on peut pas encore être certain de sa culpabilité. Clairement. Donc, on peut encore enchaîner et se poser la question. Peut-on dire de manière irréfutable que Cust est coupable? Eh bien, il dit qu'il n'a pas écrit les lettres, il n'avait pas de raison de les tuer. Ça ressemble quand même à un innocent. J'en connais un qui va pas être content. Je n'y vois pas plus clair qu'avant. En fait, c'est pire. Il y a tout de même un point à souligner. Cust reconnaît avoir tué, mais ne sait pas dire pourquoi. C'est curieux. Souvenez-vous de ce qu'a dit le docteur Thompson. Même si Cust a tué dans un état second, il n'a pu le faire qu'en accord avec ses désirs profonds. Il devrait forcément avoir une motivation. Restons simples. Peu importe sa motivation, il a avoué. Vous voyez bien qu'il peut avouer tout et son contraire. Il a nié les meurtres, puis les a reconnus. Il m'a affirmé qu'il n'avait jamais tapé les lettres, puis je lui ai fait dire le contraire, sans trop de difficultés. Mais enfin, il s'est conduit en coupable. Voyez comme il a menti à sa logeuse. C'est parce qu'au fond, il se pense coupable. En lisant les journaux, il a constaté sa présence systématique sur les lieux des crimes. Il doit penser qu'il a tué, puis oublier tout ce qu'il avait fait. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Étudions ensemble son profil psychologique, et vous comprendrez mon point de vue. Allez, allons voir ça, du coup. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Allez, mais... commence à la savoir par cœur, cette formule. Alors, on se souvient que le meurtrier est intelligent, selon les déductions. Donc, Cust est-il intelligent? On se souvient de ce qu'il disait à propos de la guerre. Pas de questions, désordre à suivre, rien à réfléchir. C'est un peu médiocre, hein, comme réflexion. Hein. Ensuite, on peut se rappeler que le meurtrier est sûr de lui. Est-ce que Cust est sûr de lui? Alors, on se souvient de la déclaration de Thora Gray. Il était hésitant et timide, pas comme les vendeurs habituels qui n'ont pas beaucoup d'influence. Il est donc assez influençable. Ensuite, on se souvient que le meurtrier est très séducteur, puisqu'il avait séduit Betty. Donc, que c'était-il un séducteur? De nouveau, une déclaration de Thora Gray. Un type qu'on ne s'en revient pas, qu'il a donc pas trop de charme, hein, vu qu'elle s'en était même pas souvenue, la pauvre Thora Gray. Alors, le meurtrier aime-t-il les trains? Le meurtrier aime les trains, mais Cust aime-t-il les trains? Marbury le dit, il le dit lui-même, il déteste les trains, donc c'est pas par plaisir qu'il voyage. Et puis, on a encore ce souvenir que le meurtrier est impulsif. Cust est-il impulsif? Alors, on se souvient de Marbury qui soupçonnait pas, hein, parce qu'il était pas très causant, etc. Il est froid, quand même. Et puis, le meurtrier est généreux. Cust est-il généreux? Vous vous souvenez, quand on a fouillé sa chambre, on a retrouvé les crayons jusqu'à la taille de la mine. On peut dire qu'il est quand même un peu avare sur les bords. Hein. Vous voyez, le caractère de Cust est à l'opposé de celui de l'assassin. Mais s'il est fou, est-ce qu'on peut vraiment parler de son caractère? Vous savez très bien que l'assassin ne se comporte pas en psychopathe. À part la signature, aucun rituel ni de récurrence dans le choix des victimes.
Bien, bien, très bien. Vous avez raison, comme toujours. Donc nous n'avons plus d'aveux, plus de coupables, plus de suspects, plus rien du tout. Et ceci après 2 mois d'enquête. Que dois-je faire ? Confiance. Laissez-moi seulement 24 heures. Ah, Poirot a sa petite idée, il a derrière. L'arrestation de Cust est un succès pour vous, Poirot. Tout est clair maintenant, sauf peut-être quelques détails. Des détails. Les détails. Ah, mon ami, le diable est dans les détails, comme on dit. Pardon ? Patience, Hastings. Tout s'expliquera quand nos invités seront là. Dites-moi, auriez-vous l'obligeance de glisser un revolver dans votre poche avant qu'il n'arrive ? Oh, il a une idée derrière. Un revolver ? Mais Poirot, que craignez-vous ? Faites-moi confiance. Il est important que vous portiez une arme pendant cette réunion. Je vais vous prêter la mienne. Et si vous m'expliquiez ce que vous avez en tête ? Surtout pas. Vous ne pourriez plus jouer votre rôle avec naturel. Attendez un instant, je vous apporte mon arme. Ok. Alors, je me souviens que l'arme se trouve dans la petite commode là-bas. Vous n'avez pas pu le voir parce que j'écoute PC au montage, mais c'est pas grave. Hein. Les munitions blanches sont des cartouches à blanc. Les autres sont des balles réelles. Des munitions à blanc, hein. Le revolver est chargé avec des balles à blanc. Ah, je veux pas de dégâts. Je peux encore choisir les balles réelles. Non, je veux pas de dégâts, moi. Hein. Vous laissez ces armes réelles. À la limite, le pistolet, je veux bien, mais pour intimider. Enfin, j'espère que personne mourra à cause de moi. Voilà, je vous confie mon arme. Elle a très peu servi, elle est comme neuve. Parfait. Ah, téléphone. Alors. Inspecteur, c'est vous ? Oui. Désolé, mais nous n'avons rien trouvé. Vous avez cherché sur la machine ? Et sur les emballages, la lettre et la bobine de ruban. On a trouvé que les empreintes de Cost et celles de sa logeuse. Eh bien, tant pis, je m'en arrangerai. Donc, vous maintenez votre réunion ? Bien sûr, inspecteur. D'ailleurs, j'entends mes hôtes monter l'escalier. Notre Poirot cherchait des preuves. Pourquoi nous avoir rassemblés, monsieur Poirot ? Après l'arrestation de Cust, il semble que tout soit dit. Mademoiselle Gray l'a formellement identifié, ainsi que Mademoiselle Barnard. Donald bien présenté. Oui, et les bas qu'il vendait sont bien de la même marque que ceux qu'on a retrouvés chez ma tante. Tout ceci est vrai. Cependant, une affaire n'est pas close tant qu'il reste des questions ouvertes. Et en voici une. Pourquoi le meurtrier m'a-t-il envoyé ces lettres ? Pourquoi m'a-t-il défié, moi, Hercule Poirot ? Ça reste ouvert. Sans doute pour compenser un complexe d'infériorité. Par xénophobie ? Peut-être ne vous aime-t-il pas parce que vous êtes étranger ? Je dis peut-être une bêtise, mais... peut-être qu'il recherchait la gloire en vous provoquant ? Toutes ces hypothèses sont à examiner. Eh bien... tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. On va y aller. Alors, pourquoi le meurtrier s'est-il trompé dans l'adresse ? On se souvient hein, de l'adresse de Churston qui était pour le crime de Churston qui était fausse. Donc l'assassin avait toujours prévenu à l'avance Poirot de ses meurtres. L'erreur dans l'adresse a provoqué un retard. Le retard de la lettre a sauvé le meurtrier. Parce qu'on l'aurait trouvé sinon. Donc l'erreur était bel et bien intentionnelle hein, dans cette adresse. Donc là, on arrive maintenant à la question que s'est posée Poirot. Pourquoi l'assassin a-t-il adressé ses lettres à Hercule Poirot ? Eh bien, la réponse nous l'est donnée par le capitaine Hastings. L'adresse de Poirot n'est pas très connue de la poste. Donc il a écrit à Poirot parce que son adresse n'est pas très connue de la poste et allait donc se perdre. Est-ce que tout est clair à présent ? Peut-être voudrez-vous reprendre votre raisonnement. J'étais pas clair, Hastings. Bien sûr. D'abord, souvenez-vous que l'assassin s'était donné comme règle de toujours poster sa lettre avant le meurtre. Il ne l'a jamais transgressée. À Churston, cependant, il a rencontré un problème. Le village ne compte pas plus de 500 habitants. Prévenu à l'avance, nous n'aurions eu aucun mal à l'arrêter. Ouais, tout à fait. L'assassin a donc retardé sa lettre en se trompant délibérément sur l'adresse. Mais ce plan n'aurait pas fonctionné s'il avait envoyé à Scotland Yard ou au Grand Quotidien dont chacun connaît l'adresse. L'erreur aurait été aussitôt rectifiée et la lettre serait arrivée à temps. Voici donc pourquoi l'assassin m'a choisi comme destinataire. Et bingo.
Parce qu'il fallait, pour la bonne marche de son plan, qu'une lettre au moins porte une fausse adresse et s'égare. C'est très bien pensé. Absolument. C'est un plan très subtil. Il correspond parfaitement au profil que nous avons établi ensemble. Celui d'un assassin intelligent, audacieux et calculateur. Mais ce portrait ne correspond pas du tout à Kest. Très juste, mademoiselle. Comme vous, je ne peux admettre que ce terne personnage soit le brillant assassin que nous cherchons. Est-ce que les fous... Je veux dire, s'il est fou, il pourrait avoir deux visages très différents. Sans doute, mais l'assassin n'est pas fou. Tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il n'a pas le profil d'un psychopathe. Mais si Kest n'est pas coupable, comment expliquez-vous sa présence sur les lieux du crime ? Monsieur Clark, la réponse à votre question se trouve dans le fichier des patients de votre frère. Fichier auquel Kest ne pouvait certainement pas accéder. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors, on est reparti pour une petite séance. Que sait-on de Kest ? Alors, on l'a dit, redit, Kest a été blessé pendant la guerre. Kest est influençable. Il est donc mentalement fragile et manipulable, surtout. Très important, ça. Donc, on peut enchaîner sur la question. Comment expliquer la présence de Kest sur les lieux des crimes ? Eh bien, l'assassin a réussi à trouver le moyen d'accéder au fichier de Dr. Clark. Les victimes de l'affaire ABC sont dans les fichiers du Dr. Clark. Kest n'a tué personne. Le meurtrier, pour brouiller les pistes, a envoyé ABC, donc Alexandre Bonaparte Kest, un peu là-bas. Le fichier client du Dr. Clark offrait une liste commode de victimes potentielles, classée par ordre alphabétique. L'assassin l'a certainement utilisé, sinon comment expliquer que toutes les victimes soient d'anciens patients du docteur ? Voici qu'il met définitivement Kest hors de cause, car il n'a jamais eu accès à ce fichier. Comment donc a-t-il pu se trouver sur les lieux des crimes ? Ou l'assassin l'y envoyait, ou il suivait l'assassin à la trace ? Le caractère hautement influençable de Kest nous fait pencher en faveur de la seconde hypothèse. L'assassin le manipulait. Il a systématiquement envoyé Kest en tournée dans les villes où il frappait. Ceci afin que les soupçons convergent vers le pauvre homme. C'est machiavélique. Mais quel assassin peut monter un tel plan ? Et quel profit peut-il tirer de trois meurtres aussi disparates ? En effet, il semble impossible qu'une même personne ait eu intérêt à les commettre tous. Que faut-il en déduire ? Alors là, je vous avoue, je suis pas tout à fait neutre, puisque ben, je sais par définition que qu'il y a un seul meurtre qui a un intérêt pour le tueur, parce que ben, je connais le roman, etc., plus ou moins. Un seul meurtre a profité à l'assassin, les autres ne sont que des diversions. Après réflexion, une conclusion s'impose. L'assassin a tué une fois par intérêt, et deux fois pour détourner notre attention. Ce raisonnement nous mène vers deux coupables possibles. Franklin Clark ? Donald Fraser ? Oui, mademoiselle, vous raisonnez vite et bien. Monsieur Fraser a pu tuer Betty Barnard par jalousie. Monsieur Clark a pu tuer son frère pour hériter de sa fortune considérable. Tous deux ont un mobile. Mais Donald n'a pas pu avoir accès au fichier du docteur Clark. Permettez-moi de vous contredire, mademoiselle. On se souvient, on avait trouvé dans l'armoire de Clark un dossier de cabinet d'avocat où Donald travaille. Non, pas soigné, c'était préciser que le cabinet de Donald a travaillé pour Clark. Il travaille pour le cabinet Curtin Brunskill, qui comptait Sir Carmichael parmi ses clients. Cela ne prouve pas que je sois allé à Combside ? Vous en avez eu l'occasion. Et peut-être en avez-vous profité pour examiner le fichier de Sir Carmichael. Vous me croyez coupable ? Vous ? Ou Monsieur Franklin Clark ? C'est ridicule ! Vous avez tous deux un mobile. La question est de savoir lequel de vous deux correspond le mieux au profil de l'assassin. Ouais. Alors, tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Examinons donc le cas de Monsieur Fraser, déjà.
Alors, on se rappelle, le meurtrier est intelligent. Est-ce que Donald est intelligent? Alors, on se souvient de ce que nous disait Megan Barnard. C'est un homme intelligent, promis à une grande carrière. C'est donc un homme intelligent. Alors, ensuite, on se souvient que le meurtrier est sûr de lui. Est-ce que Donald est sûr de lui? Alors, on se souvient de Donald qui était venu nous voir après la mort de Betty, machin. On a vu qu'il était donc un peu influençable. Le meurtrier est un séducteur. Donald est-il un séducteur? Eh bien, on se souvient de l'observation d'Hercule Poirot, comme quoi les femmes l'aiment bien. Donc, c'est un séducteur. Ensuite, on se souvient que le meurtrier aime les trains. Là, on se souvient également si Donald aime les trains. Eh bien, oui, il aime bien se reposer dans le train. C'est facile de s'endormir bercé par le bruit des roues, donc il aime les trains. Ensuite, on se souvient que le meurtrier est impulsif. Donald est-il impulsif? On se souvient encore de Megan Barnard qui nous disait qu'une dispute était assez emportée. Donc c'est pas vraiment impulsif, c'est vraiment... il s'emporte facilement. Et ensuite, on se souvient finalement que le meurtrier est généreux. Est-ce que Donald est généreux? Eh bien, il avait tout pour un bon mari, disait Megan Barnard. Attentif et généreux, un vrai gentleman. Donc, il est généreux. Mesdames et messieurs, vous avez vu que Donald partage beaucoup de traits avec l'assassin. Mais il n'a pas sa froideur. Il s'emporte facilement. On ne le voit guère planifier une longue série de crimes. Et puis, la jalousie est son mobile. Et les meurtres passionnels sont rarement prémédités. Mmh. Bon, je suppose qu'à présent, vous allez m'appliquer le même crible. Absolument, monsieur Clark. Comment savoir des Tâchons choses, à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Alors, c'est parti pour monsieur Clark. Alors, encore une fois, on se souvient que le meurtrier est intelligent. Donc, est-ce que Franklin est intelligent? Donc on, là, on se souvient de son carnet de notes qu'on avait vu à Combside. Il est en effet très doué, donc c'est un élève intelligent. Donc, toujours intelligent, on suppose. On avait vu que le meurtrier est sûr de lui. Franklin est-il sûr de lui? Donc là, on se souvient encore de la lettre de Lady Clark à Combside, où Franklin avait réussi, grâce à son sang-froid, à trouver une sortie à l'affaire qu'ils étaient confrontés. On se souvient ensuite que le meurtrier est toujours séducteur. Est-ce que Franklin est séducteur? Eh ben, le capitaine Hastings nous avait vu que Mademoiselle Gray était courtisée par Franklin Clark, donc c'est un séducteur. Ensuite, on se souvient que le meurtrier aime les trains, toujours et encore. Franklin aime-t-il les trains? Là, on se souvient d'une preuve qu'on avait trouvée à Combside, Les Enfants du Chemin de Fer, donc le livre. Donc on peut supposer qu'il aime bien les trains. On avait encore que le meurtrier est impulsif. Est-ce que Franklin est-il impulsif? On se souvient que Franklin, avant tout, avait été froid. Il y a beaucoup de sang-froid, on avait vu dans sa lettre. Ensuite, est-ce que le meurtrier est généreux? Est-ce que... Donc, le meurtrier est généreux. Est-ce que Franklin est généreux? Eh bien, on se souvient qu'il paye les billets de train de Mademoiselle Drover, puisqu'elle n'a pas les moyens de se les payer. Il est donc généreux. Comme vous l'avez tous constaté, il y a une similitude troublante entre le profil de Monsieur Clark et celui de l'assassin. Mieux, une correspondance parfaite. Monsieur Poirot, vos analyses psychologiques ne sont pas dénuées d'intérêt, mais vos conclusions ne tiennent pas debout. Pourquoi aurais-je précipité la mort de mon frère? L'héritage me revient de droit. Il me suffit d'attendre. Non, il vous fallait agir vite. Parce que bah, si une certaine Thora Gray avait demandé en mariage, enfin s'était faite demander en mariage comme on le suppose par Monsieur Clark, bah, ça aurait débouché sur des soucis pour lui. À cause de Mademoiselle Gray. Mademoiselle, bien que vous n'ayez pas dit la vérité sur ce point, il ne fait aucun doute à mes yeux que vous auriez su vous faire épouser par Sir Carmichael après la disparition de Lady Clark. Pour vous, Monsieur Clark, c'était la pire des situations. Si Mademoiselle Gray avait des enfants de votre frère, vous étiez définitivement écarté de l'héritage. Vous avez vu venir le danger en lisant certaines lettres venues de Combside.
particulièrement celle où votre frère vous ouvrait son cœur. Alors vous avez précipité votre retour de Chine et vous êtes passé à l'action. À la vérité, Kust n'a été qu'un pantin, manipulé par le vrai coupable. Vous, Monsieur Clark. Vous avez de l'imagination, Monsieur Poirot. En réalité, personne n'a manipulé Kust. Ces fameuses instructions qu'il prétend avoir reçues par courrier, il les a écrites sur sa propre machine. Nous le savons tous. Oh non, les choses ne se sont pas passées ainsi, et vous le savez bien. Eh bien voilà, toute la lumière est faite à présent sur les meurtres d'ABC. Vos constructions sont ingénieuses, mais vous n'avez aucune preuve. Il marque un point. Pour l'instant, je n'ai aucune preuve matérielle. Je peux l'admettre, ou bien bluffer. Qu'est-ce qu'on joue ? Est-ce qu'on invente une preuve trouvée dans le tabac d'Alice Asher, mentir sur les empreintes trouvées sur la machine à écrire de Kust, ou dire que les preuves vont être aisées à trouver ? Non, Asher, je pense pas que ça va beaucoup marcher. Mais par contre, des empreintes sur la machine à écrire... J'ai une preuve. Allez. Les empreintes que vous avez laissées sur la machine à écrire de Kust. Silence. Oh, bien sûr, vous avez essuyé la machine avant de l'expédier, mais pas avec assez de soin. Les spécialistes de Scotland Yard ont su retrouver vos empreintes mêlées à celles de Kust. Je comprends maintenant pourquoi tu n'as jamais voulu me prêter ta machine neuve et pourquoi tu fouillais les affaires de ton frère. Et ce trou que tu as creusé sur la lande, c'était pour y cacher quoi ? Le couteau qui a tué ton frère ? Rouge impair et manque. Vous avez gagné, Monsieur Poirot. Mais cela valait la peine d'essayer. Oh là, tu fais quoi, toi ? N'approchez pas ! Putain. Je ne me laisserai pas prendre, Monsieur Poirot. Je vais le charger à blanc. Purée, j'ai bien fait de pas le charger à blanc. De le charger à blanc. Navré, Franklin, il n'y aura pas de sortie facile pour vous. J'avais prévu votre réaction et chargé ce revolver à blanc. Mais oui, désolé, oui, oui, mademoiselle, mais votre second espoir disparaît. Franklin Clark n'héritera jamais de la fortune de son frère. Eh non. Allez, débarrassez-moi ce mec. Direction prison. À la prochaine. Déçu d'avoir manqué l'occasion de devenir Lady Clark, Dora Gray a quitté l'Angleterre. Donald Fraser et Meghan Barnard se sont mariés. Sur la recommandation de Poirot, Marie Drower est entrée au service de Lady Clark. L'état de la vieille dame s'est soudain amélioré. Et quelques mois plus tard, elle était sur pied, à la grande surprise du docteur Logan. D'après cet éminent médecin, il s'agirait d'un cas extrêmement rare de rémission spontanée. Lady Clark se porte fort bien depuis. Journal d'un innocent. L'incroyable histoire d'ABC. Quant à A.B. Kust, conseillé par Poirot, il a gagné beaucoup d'argent en vendant son histoire aux journaux. Pour ma part, les affaires se portent à merveille. Le cygne noir est devenu la principale attraction touristique dans le Yorkshire. Encore plus populaire que la cathédrale d'York. Et voilà. C'est donc ainsi que se termine cette aventure de ABC contre Poirot. J'espère sincèrement que cette série de l'été vous aura plu. J'ai en tout cas eu beaucoup de plaisir à la faire, à vous commenter tout ça. Bien que le montage était assez complet à faire, c'était un bon exercice. Et j'espère en tout cas que j'ai réussi à saisir vraiment les bouts qui étaient... bien primordiaux et pas vous laisser trop de petits trucs pas très sympathiques à voir, les trucs de réflexion, etc. En tout cas, j'espère que le montage était assez bien fait. Si vous avez remarqué des choses, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si vous avez aimé la série, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. Comme ça, éventuellement, je pourrais refaire prochainement une série dans le style. Et puis donc, voilà. Donc si vous avez aimé ce dernier épisode, j'espère que vous appuierez sur le petit bouton j'aime. Dans ce qui nous concerne de la chaîne, on va retrouver bientôt de la simulation, puisque les vacances sont bientôt finies.
J'espère en tout cas que ces épisodes vous auront plu. Je vous laisse donc maintenant avec le générique de fin. D'ici à la prochaine fois, portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.